L'insalubrité bat son plein dans les marchés de Lubumbashi. Au marché de Fortune, au quartier Congo, les aliments sont posés à même le sol. Pourtant, Lubumbashi fait face au choléra ces derniers jours. Au moins 3 zones de santé ont reçu des cas confirmés. Ce marché de Fortune est dans un état malsain. Des tas d'immondices sont déversés tout au long de cette route. Certains vendeurs exposent leurs marchandises à même le sol sans aucune hygiène. Papa n'a tout à ouza, mais bangi n'a pas na ma étalage. Bangi n'a pas na ma étalage. Chuno na ma étalage est cobaye. Muto na ngari asa magabo kemi ne ouza ma étalage. Peut-être que muto ouza tu m'as légué mais 5000 francs. Njo capital na capital ata tabe betalage je mbele 5000 francs njo capital ata betalage ya 8000 ya 10000 au ya 8000 aweke talage kauzi ata shinda njo natanjika lake paka pale chini kama mimi naona kitu chini mishi uzake mimi nauza omai vike huko kitamba njo mimi nauza kunjo hivi nikutafutia tu watoto wetu malaria mingi na shebe nyewe kulitafutia mbele malaria mingi njo tunalomba kwa bakubwa watekeko kaburimbo njo tunaanza kuyako na shemu soko alezi tunaanza kutembea kwa bien. Les tout petits sont le plus exposés aux maladies hydriques, notamment le choléra. Dans plusieurs ménages, les habitudes ont changé pour éviter le choléra. Après avoir Après la zone de santé de Kisanga, d'autres cas de choléra ont été notifiés dans la zone de santé de Kafubu.